again, and let's start with some figures straight away. Now, did you know that this year's CIRA has 725 new products on show, and of those, 367 are exclusive to CIRA, never been seen before, and that's an increase of 50% on 2013. Let's just catch up with some results from the weekend now, and yesterday we saw the winners of the Concours National de Fromagère, which is obviously a cheese competition, and the winner in Hall 2.2 at the Cuisine en Seine was Guillaume Cardinet. Well done to him. Now, in the Trophy Européenne de Boucherie Artisanale, that's the European Trophy for Artisanal Butchery, we have an English couple of winners, Martin Crombie and Michael Perkins from England. Very well done to you. Now, as you come in through the entrance, the main entrance at CIRA, remember that you can make your visit much easier if you pick up one of these themed leaflets. Now, these are organized on themes. There are 13 of them in all. So today, we're highlighting snacking, intermediate food products, supermarket retail, or perhaps time-saving products and technologies. And the idea is that if you follow these, they will identify the stands that are most relevant to your area of interest. Let your feet do the walking and let the leaflets do the planning for you. If you want something a bit more tailored, the one we're highlighting today in the expert advice area is for those who are interested in directly managed collective catering. Now, you could swing by stand 2.2E100, where the team at Restaco will help identify the exhibitors that most suit your interests. They're there every day. If you want further information, visit the stand at 2.2E100, or you can contact by email, contact@restaco.fr. So on to the competitions today and what's happening. Well, in the Coupe du Monde de la Pâtissière, it's all happening in the Espace de Chef all day today in Hall 6. Now, if you haven't been along, I recommend you go. It's well worth a visit. The Festival of Gastronomic Creativity is taking place in Hall 2.2 at the Cuisine on Stage all day. It sounds really intriguing. If you want to find out more, pop along to Hall 2.2. The Coupe de France de la Boulangerie continues on the Bakery Trend stage in Hall 4. That's also all day with prize giving at 5. Also in Hall 4, the second French Championship of Des Arts Gourmands is just coming to a conclusion this morning. If you pop along there, you'll just about have time to catch the end of that competition in chocolate pastries and ice cream, and that's in the Maison de la Pâtisserie. Elsewhere in Lyon itself, the highlight of Big today is the De la bouche aux oreilles, which effectively means from mouth to ear, and essentially involves three chefs, three DJs, and three courses with music. The idea is the chefs will put together and dress their plates while accompanied by live music that they don't know what it is by the DJs. That's all taking place this evening at 7:30 at Le Sucre in Quai Rambert at the Confluence, and it's €69 a person for that. Well, back under the roof here at Your Expert CIRA, the cafe show competitions are coming to their climax. Michael McCauley is here from the Specialist Coffee Association of Europe. Welcome, Michael. Thank you. Things are really beginning to hot up, aren't they, over there? Absolutely. We're right in the middle of the World Brewers Cup. It's the slow coffee version of a competition. We have these alchemists with coffee. It's really fantastic. And this afternoon, we have the finals of the World Barista Championship and the World Latte Art, where we draw with the milk and the crema of the espresso, lovely design. So it's going to be a visual treat for the ears, for the eyes, and for also for the taste buds. And a quick reminder, yesterday you had the final of the Cup Tasters, didn't you? Yeah, World Cup Tasters Championship, and we elected actually the three-time champion, Christophe Rubino. He's the best coffee taster in France, who will go on to Sweden in June to represent France. Fantastic. Is it strong competition this year? Yeah, we couldn't accept any more candidates because there was no time we'd have to prolong the CIRA two more days. So we're really, really excited. It's with so much enthusiasm for the event. We just filled with the candidates, and the public is like filling the aisle. So definitely we will come on over and see the finals this afternoon. And tomorrow we have a wonderful competition, which is Coffee in Good Spirits, where we mix coffee with alcohol. And we have also a world champion who will be commenting, who is a French
which is the first time for us to have a world champion. So we're really thrilled with the competition this year. Absolutely. Well, I popped along and I've seen that you have benches for people to sit on. You've got cameras so people can see exactly what's going on close up, sort of under the noses of the judges, essentially. And we have a booth next to it where you can taste coffee, where you can buy specialty coffee, where you can buy t-shirts and all these things to help support us and certainly support the candidates by coming and watching. It's very interesting. And tell me, how do the winners actually benefit from taking part from these competitions? What does it give them? I mean, obviously they have a trophy, they are the winner, but how does it help their careers? Well, obviously it's a wonderful experience. We bring in judges from like 9 different countries, international judges, and then they get to go to the world competition because it's world coffee events. It doesn't stop in France. And they're going to be in Seattle and in Stockholm. So they're going to get to compete for France in these competitions and have that world experience. Wow, they get to travel and the world is their oyster, as it were. Absolutely. Now, I did wonder, because there are all these competitions, are they very specialist, or do you actually have more than one candidate taking part in more than one of your competitions? I actually have candidates. We have 5 competitions. One candidate is doing 4, and I have like 3 or 4 that are doing 3 out of the 5. And I've actually, in the last year, I had 5 out of 5. So you're getting to know some of them quite personally, aren't you? Absolutely, absolutely. Absolutely. And you've got a prize giving later on today, obviously, with the 2 competitions. Yeah, the finals of Barista and Latte Art are up until 5 o'clock, and about 5:30 we'll be doing the trophy award ceremony for them and also for the Brewers Cup, which is going on now. Okay, and let's just summarize then the competitions to come and what's taking place today. If you wouldn't mind, could you do it also in French as well as English? Of course, Michael. So as I said, World Brewers Cup is actually happening right now. We'll follow with the finals of Latte Art and Barista starting at 1 o'clock. And tomorrow at 1 o'clock, the Coffee and Good Spirits, the judges drinking alcohol in the morning. We'll have workshops and animations in the morning. Cet après-midi, on a la finale de World Latte Art et World Barista. Et demain, les animations le matin et l'après-midi, on suivra avec la dernière compétition qui est le Coffee and Good Spirits, le mélange d'alcool et de café. And of course, that's tomorrow afternoon, because drinking alcohol in the morning is a little bit hard on the judges. Absolutely, for the judges. Absolutely. Tiffany. Michael McCauley, thank you so much for joining us today. It's very nice to have you here. Thank you. That's Michael McCauley from the Specialty Coffee Association of Europe, rounding off our Syrah News in English this morning. Thank you, Tiffany. See you very soon. Vous avez vu, mon anglais est parfait. Bref, désormais, avec la Toc Magazine, nous allons parler des pâtisseries fraîches et surgelées en évoquant les atouts et les spécificités de chacune. Bonjour Karine. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous êtes rédactrice en chef de la Toc Magazine. Et alors ensemble, sans polémique, on va vraiment évoquer le fait que faire sa viennoiserie maison, ce n'est pas forcément évident. Non, alors justement, on va insister sur le fait qu'on va parler de pâtisserie et de viennoiserie. Les deux. Parce que, oui, et c'est vrai que l'objet aussi de ce petit entretien, c'est d'expliquer qu'il y a de moins en moins de frontières, aussi bien entre les produits qu'entre les métiers, qu'entre l'artisanat et l'industrie. Oui. Et je tiens à remercier beaucoup, je commence par les femmes, Sébastien, vous êtes d'accord? Sylvie Noireau, qui est chef de produit matière grasse chez Vandemortel, et Sébastien Lesage, qui est artisan pâtissier à Annemasse, près de pas très loin de Genève, et qui sont venus parler de la pâtisserie fraîche et ou surgelée. Et effectivement, sans aucun esprit de polémique, on va essayer de sortir quelques grandes idées autour de ce thème-là. Donc, je vais passer la parole à Sébastien. Vous êtes donc pâtissier et vous avez fait un choix, vous, dans votre boutique, parce qu'on a bien compris que vous étiez pour la fabrication maison, mais vous avez fait un choix intéressant en termes de gamme de produits. Oui, voilà, puisqu'on avait une évolution au sein de notre entreprise, puisque moi, je suis installé depuis 2001. Et au début, quand vous démarrez qu'à deux, ça va. Et puis quand l'évolution vous demande d'avoir un peu plus de salariés et de maintenir une certaine qualité, il y a, pour parler par exemple d'un exemple, nous avons décidé de passer sur la viennoiserie en surgelé et plutôt de s'alimenter dans de nouvelles gammes de produits, de pâtisserie, de nouvelles créations, afin justement
La viennoiserie reste un produit du petit déjeuner du matin, mais avant tout, nous sommes pâtissiers, chocolatiers, glaciers, donc je préfère me consacrer vraiment à la confiserie, la pâtisserie, la création des gâteaux, le produit, et puis mettre cette partie-là, vu que c'est pas vraiment, on va dire, je pourrais dire ce qui va me faire vivre aujourd'hui, c'est un pourcentage faible de ma journée de travail et de mon chiffre d'affaires, alors que ma vente de chocolat est plus importante que mes macarons. Donc là, je me consacre vraiment à ces produits-là et je mets tout le monde dans mon métier là, dans ce produit-là. Oui, c'est une décision qui a été difficile à prendre ? Au début, oui, parce qu'on voudrait tout faire de A à Z, mais au bout d'un moment, il y a toutes ces contraintes qui sont là. Et en fait, depuis 2001, tous les jours, on rajoutait un petit produit. Par chance, ou je veux dire, peut-être par rapport à mon talent, ce produit et plaisait aux gens, donc redemander. Donc au bout d'un moment, on dit, on perd moins de temps là-dessus, on va se consacrer à autre chose. Et puis, l'apport des produits industriels ou surgelés nous permet justement une facilité de travail. Et puis, je veux dire, c'est pas tabou, je veux dire, c'est pas mauvais. Oui, je veux dire, il faut dramatiser ça. Voilà. Il faut l'utiliser consciencieusement. Après, c'est l'amour de chacun. Et oui, et justement, c'est pour ça qu'on va passer la parole à Sylvie, parce que vous faites partie d'un grand groupe qui s'illustre aussi bien dans les ingrédients, d'ailleurs vous-même vous vous occupez des matières grasses, que dans les fabrications surgelées. Oui, le groupe Vendemortel, comme vous le présentiez tout à l'heure, est un groupe un gros intervenant, un groupe industriel familial qui est sur le marché quand même depuis plus de 100 ans, donc c'est la preuve quand même qu'il propose aux artisans des produits qui leur conviennent parfaitement. Et ce groupe a choisi de travailler sur deux axes. D'un côté, on a justement l'axe des produits à base de pâtes surgelées et de pâtisserie aussi, bien évidemment, mais aussi de matières premières à base végétale, en fin de compte, pour offrir à l'artisan tous les produits qui vont leur permettre de fabriquer eux-mêmes sur toute la gamme large de ce qu'ils peuvent présenter en boutique. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a produits surgelés et produits surgelés ? Au niveau de la qualité ? Voilà. Il est évident qu'un produit surgelé peut être fait avec de très très bons produits de base, matières premières de base, tout comme ils peuvent être faits avec des produits de moindre qualité. Le résultat, de toute façon, au final, on verra bien la différence. L'artisan lui-même est à même de choisir, justement, de voir le résultat et de choisir en connaissance de cause. Il y a de très bons produits surgelés, on ne peut pas le nier, bien évidemment. Il y a de très bons produits de matières premières aussi, et la même chose de l'autre côté. Oui, tout à fait. N'oublions pas que malheureusement, parfois, ça pêche un petit peu dans les boutiques. Mais un bon artisan est à même de voir la différence, c'est évident, dans les deux cas de figure. Oui, tout à fait. Sébastien, vous avez une signalétique ou vous avez un discours en boutique pour différencier un petit peu vos produits ? Oui, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tricher avec le client, parce que c'est le client qui nous fait vivre, et puis, je veux dire, il faut le respecter. Et surtout, moi, je parle dans les métiers de bouche, c'est très important, puisque c'est là où, en plus, le bouche à oreille, comme on dit, va très, très vite, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, nous, on n'a aucune contrainte avec ça. On explique très, très bien aux gens la fabrication, et s'ils demandent s'ils peuvent le congeler, nous, on leur explique que nous, on est passé par une phase de congélation pour fabriquer ce gâteau. On est obligé par rapport au crémeux que vous allez mettre à l'intérieur, ou à un insert, ou à un bicouche, obligé de passer par cette phase de surgélation pour bloquer le premier produit. Donc après, je veux dire, ça ne peut pas altérer le produit si c'est fait dans des conditions comme il faut, maîtrisé. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Ce que demande le consommateur, c'est avant tout avoir confiance dans son artisan. Enfin, voilà, dans le produit qu'on met à l'intérieur. Il faut être clair dès le départ. Alors, vous avez fait votre choix de surgeler. Comment ? Par rapport à des ingrédients, par rapport à... Après, oui, on a essayé de déguster différentes gammes de produits surgelés de viennoiserie, pain au chocolat et croissant, avec toute l'équipe du laboratoire, et on a essayé de trouver la qualité que nous, on était capable de faire avant, et puis que ça se rapproche pour pas que, finalement, notre clientèle voie une différence. Et aujourd'hui, personne n'a vu de différence vraiment sur dire, bah, tiens, vous avez changé la viennoiserie. Donc, c'était gagné pour nous, en fait. Et alors vous, le plus grand défi en tant qu'industriel, c'est quoi ? C'est innover ? C'est avoir une qualité toujours meilleure ? Il est évident que le premier des défis, c'est d'avoir une qualité constante dans les produits qu'on propose, et aussi de proposer à l'artisan toute une gamme de produits qui répond à leurs besoins à aujourd'hui. En tant que matière première de base. Sachant qu'il y a presque autant de besoins que d'artisans. Hein. On est d'accord. Oui, enfin quand même, il faut...
c'est les principales applications qui sont demandées par l'artisan. Hein. Bon, on ne va pas reprendre la base, le feuilletage, le croissant, la garniture, là, mais à nous d'industriels de proposer toujours avec une constance, bien évidemment, au niveau de la qualité des produits, la régularité des produits finis aussi, parce que c'est important, de toujours donner ce que l'artisan attend. Dans le traditionnel, qu'il faut que nous, en tant qu'industriels, on suive aussi les tendances des uns et des autres. De quoi avez-vous besoin ? Et l'intérêt aussi, à notre niveau, en tant qu'industriel, c'est de proposer des produits non seulement au niveau technicité, au niveau goût, mais aussi de donner des produits qui permettent de répondre à toutes les exigences nutrition dont on parle aujourd'hui, qui sont, je veux dire, primordiales. Le consommateur est demandeur, l'artisan est demandeur à ce niveau-là. Et à nous de suivre le mouvement et de proposer... je veux dire, que ce soit les oméga 3, les fameux oméga 3, nous on propose une matière grasse aux sources d'oméga 3, mais il y a toutes les fameuses, on ne rentre pas dans des polémiques, toutes les fameuses polémiques qu'il y a eu sur les matières premières tous ces temps-ci. Bon, là il faut vraiment qu'on soit très attentif aux demandes de notre clientèle qui est l'artisan, qui lui est attentif aux demandes des consommateurs, bien évidemment. D'accord, merci. Est-ce que, une petite question assez technique, est-ce que toutes les réglementations qui sont de plus en plus drastiques, enfin très exigeantes, est-ce que finalement, parfois, on n'arrive pas au surgelé aussi parce que c'est régulier, c'est fabriqué comme il le faut, dans les bonnes normes, si je puis dire? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, malheureusement pour ces gens, d'allergènes. Et pour nous, on avait un petit peu anticipé ces choses-là. On essaye toujours justement d'avoir dans notre gamme de gâteaux quelque chose sans gluten, sans jaune, des choses comme ça, justement pour pouvoir aussi que ces gens-là puissent déguster au moins une pâtisserie, beaucoup par rapport aussi aux fruits secs. Donc on essaye toujours justement dans la gamme de créer un produit parce que pour... Tous les jours. Ouais, enfin, dans notre gamme, comme on a un renouvellement de cartes tous les 6 mois, on renouvelle toute notre gamme de pâtisserie, on fait toujours au moins quelque chose sans gluten, sans fruits à coque, pour justement que ces gens-là aient au moins un petit plaisir. On a le chocolat sans sucre pour ceux qui ont un petit peu de diabète. Enfin, voilà. Ah oui. On est obligé de venir un petit peu à ces produits-là. Et c'est vrai que la réglementation aujourd'hui nous pousse vraiment très très loin. Et on se demande des fois un peu si... Ouais. En fait, bientôt, on va se retrouver peut-être avec une étiquette d'ingrédients qui va être plus grand que la boîte, quoi. À force de vouloir toujours en rajouter un peu plus. Donc, bon, et vous-même, vous avez commencé à appliquer cette nouvelle... Oui, il va falloir se mettre aux normes. Et voilà. Parce que la demande est là, vous êtes obligé de suivre. Oui. Donc je suppose qu'en tant qu'industriel fournisseur, vous préparez une PLV, ou des étiquettes, une information. Quand on a une allégation bien particulière comme l'histoire de l'oméga 3 dont on vous parlait tout à l'heure, bien évidemment, il y a une communication qui est passée au niveau de l'artisan, mais on lui donne aussi la possibilité de passer cette information au niveau du consommateur par des animations boutiques ou des présentoirs en boutique. Il est important que... Tout comme un artisan, c'est exactement ce qu'il va mettre dans son gâteau et il va décrire au consommateur, donner envie de manger au consommateur. Pour ce type de produit-là aussi, il faut qu'il sache argumenter, il faut une formation. Voilà. Là, la formation de vos vendeuses est importante aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Pour pouvoir passer ce type d'information, son demandeur. Le consommateur est vraiment demandeur, il s'exprime en boutique. Ah, de toute façon, à partir du moment où des personnes viennent qui ont une allergie, tout de suite le signal, parce que je veux dire, et nous on a à disposition de nos clients chaque produit référencé avec chaque ingrédient à l'intérieur pour justement, des fois il suffit, c'est même pas le fait de déguster, ça soit, moi j'ai par exemple l'apprentie chocolatière qui est allergique à la cacahuète, mais même sans la toucher, s'il y en a dans le laboratoire, elle se sent pas bien. Oh là là. Ah oui. Donc le jour, moi je ne savais pas la première fois, on a un bonbon à la cacahuète. Elle était pas bien de la journée, donc j'ai dit il faut plus que je fasse le bonbon cacahuète quand elle est là, parce que même sans le travailler, rien que l'odeur, ça lui fait pas bien. Elle le savait avant? Oui, elle le savait avant, mais moi j'ai pas pensé sur le coup. Je me suis dit si vous travaillez pas, mais elle dit non, mais rien que le fait des aliments qu'on va mettre à la plonge, il y a eu de la cacahuète dedans, et voilà. Sur son corps, ça lui fait une allergie, ça lui fait une réaction. D'accord. Donc c'est vrai qu'on est attentif à tout ça. Mais alors en termes d'organisation, c'est très lourd tout ça quand même. Il faut vraiment que... c'est un cas vraiment dans notre entreprise, donc on s'en organise avec. Mais c'est vrai qu'au niveau de la clientèle, on a justement tous les produits référencés pour si les gens disent, on a quelqu'un qui est... C'est un fruit à coque, des fois c'est une spécificité, c'est l'arachide ou ça va être que les amandes. Donc on essaye de dire, non, la madame, vous ne pouvez pas, il y en a. Et voilà. D'accord. Et alors Sylvie, est-ce que quand vous fabriquez
vos produits surgelés. Est-ce que vous faites attention, vous, aux allergènes, bien sûr? Je représente la division des matières premières. Hein, mais bon, connaissant la recherche-développement du groupe et toute la structure qu'il y a autour, l'important à notre niveau, au niveau de l'industriel justement, c'est d'être d'une clarté, sans faille, au niveau des déclaratifs. Bon, la nouvelle réglementation d'information consommateur est là justement pour nous cadrer, pour qu'on soit clair sur tous les ingrédients qui rentrent dans la composition de nos produits, et justement pour continuer la chaîne jusqu'au consommateur. Mais il est évident que à charge de l'industriel d'avoir une grande clarté à ce niveau-là pour pouvoir aider au maximum les artisans. D'accord, merci. Alors, ce que je trouve très intéressant pour conclure, c'est qu'on a là un bel exemple de dialogue. Déjà, je vous remercie beaucoup parce que c'est fait de manière très agréable, c'est et conviviale. Absolument. Oui, de toute façon, aujourd'hui, les frontières s'effacent. L'évolution fait que, je veux dire, ça soit sur les machines ou le surgelé, ça nous aide. Donc, je veux dire, c'est une évolution. Au final, c'est que vous soyez toujours là. Voilà. Au bout du compte. Et ce que j'entends, que je trouve très très bien, et qui finalement est le principal, c'est qu'on n'a pas apporté de jugement. C'est que finalement, c'est une décision de chef d'entreprise. Voilà. Il s'agit, on pense à la pérennité de l'entreprise, aux emplois que l'on sauvegarde, aux bons produits que l'on fabrique. Voilà, après c'est tout un ensemble. Voilà, c'est le principal. Qu'un artisan demeure un artisan, il faut qu'il y mette tout son amour dans ce qu'il fait. Ouais. Oui, et c'est une très jolie conclusion. La bonne cuisinière que tu es. Oui, ça me touche. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci Anne-Laure. On se retrouvera avec Cécile un petit peu plus tard sur la Web TV. En attendant, hier se déroulait la première journée de compétition de cette fameuse Coupe du Monde de la pâtisserie. Je vous propose de regarder un bref résumé en images. Aller faire un petit tour à Chaponnet. Eh bien oui, voilà une bonne idée. Eh bien, ce petit tour, on va aller le faire avec Boris Ditadian, chef du restaurant Les Platanes. Bonjour Boris Ditadian. Bonjour Karine. Et bienvenue sur le plateau de la Web TV du CIRA. Alors ensemble, aujourd'hui, on va faire une petite recette de ton choix.
Alors, j'ai pris des petits rougets. Oui. On va faire un petit rouget ratatouille tout simple. Hein. D'accord, bah c'est parfait. Bien lyonnais. Oui, bien évidemment. Très lyonnais. Les rougets de la dent, bah, bien exactement. Sûr, c'est bien connu. Donc, toi, j'ai trouvé des produits magnifiques. Là. Ah, ils sont beaux. Hein. Très, très beaux. Et puis, bah, ce qu'on va faire, on va démarrer tout simplement notre petite ratatouille. D'accord. On lèvera nos poissons après. Tu sais que ça sent terriblement bon hein, ici. Bah, hein, ça, j'ai fait un petit jus de tête. Oui. Tu sais, et puis on va le faire réduire, on va le servir d'accord. très simplement. Il est là et ça embaume le plateau de cette web des TV. Des choses très goûteuses. Alors, on va attaquer par nos, ouais. par nos petites garnitures. Hein. Alors, c'est un plat, je crois, qui tient à cœur parce que tu as gagné un concours avec ça, non? Oui, quand je suis sorti de l'école, en fait, ben, si tu veux, c'est avec ce plat que j'ai fini premier. Premier, exactement. Oh là là. Et premier de ta promo à l'Institut Paul Bocuse. Exactement. Oui, oui, exactement. On va tout dire. Et bravo. Bah maintenant, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Oui. Parce que bah, ça porte bonheur. Bah oui, il faut simplement. Croire. Ouais, on essaye. Alors, hop. Alors, de l'oignon, de l'ail. De l'oignon, de l'ail traditionnel, hein, pour faire sauter nos petits légumes. Oui. On va les trancher tranquillement. Cuisine hop. Du soleil, ça c'est bien, on aime bien ça ici. Oui. Bah oui. Ça change un petit peu de la quenelle. Oui, c'est vrai. Et puis de la cuisine au beurre. Ça, c'est une dédicace à un copain à moi qui est dans le sud, David Faure, oui. Aphrodite, qui s'est moqué de moi parce que je faisais des rougets ratatouilles à Lyon. Et ben voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, mais je crois que c'est au Hall 3, on a les chefs marseillais qui affrontent les chefs lyonnais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. On va faire un petit tour de toute voilà. façon. Voilà, c'est jusqu'à hein. 17h, alors on a du temps. Hein. Exactement. On va faire une petite brunoise avec, ouais. avec nos poivrons. On va très faire bien. La même chose hein, avec, avec nos aubergines et puis nos petites courgettes. Mm-hmm. Alors, le temps de la découpe, on a le temps de parler un petit peu du restaurant, les platanes à Chaponnet. C'est un resto familial, finalement. Hein. Exactement. Oui. Je suis de l'école des arts culinaires, en fait. J'ai rencontré ma femme là-bas. Oui. Ma sœur a fait aussi l'école des arts culinaires. Oui. Et puis, bah, quand on est sorti, on a dit pourquoi pas, puisqu'il y a un trio, pourquoi pas se lancer, quoi, et puis faire voir ce qu'on savait faire un petit peu. Alors, voilà. Eh ben, on en a eu un premier qui était dans la région lyonnaise toujours, oui. mais plus sur l'Isère. Mm-hmm. On s'est fait un petit peu la main, on va dire, pendant 5 ans à peu ouais. près. Et puis après, on a repris donc celui où on est maintenant, qui est à Chaponnet. Les platanes, voilà. à Chaponnet. Voilà, c'est le clan d'Itadian. Alors, on a notre petite brunoise. C'est bien, ce chef, il travaille, vous avez vu, il parle en même temps, il sait tout faire. Ouais. Bravo. Ça, et on va si le dire aime... à ma femme, ça. Ouais. Je lui dirai, c'est promis. Si on aime le jazz, c'est là-bas où il faut aller, hein, direction les platanes. Parce qu'alors, avec ton papa, vous faites des petites soirées plutôt sympathiques. Hein. On a essayé maintenant de faire une valeur ajoutée, ah, en fait, ouais. Au restaurant. Carrément. Parce que, bon, je gagne un peu. C'est un petit peu coupé. C'est parce qu'on c'est est le un métier petit peu qui dispersé. C'est le métier qui rentre. Donc on a oui, fait une petite valeur ajoutée par rapport au restaurant. Ouais. Et puis on a commencé à organiser en fait tout simplement des soirées de jazz. Mais oui. Où une fois par mois, ben, on organise ça. On a maintenant des artistes à l'international qui viennent. Ouais. Qui viennent un peu partout, hein, États-Unis, d'Australie, d'Allemagne. C'est super. Pour essayer de varier un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a une clientèle très fidélisée. Oui. Et bah, faut la rapporter sans arrêt du nouveau, quoi. Bah oui, bien sûr. Sinon, sois exigeant, ces clients. Non. Faut leur apporter ce qu'ils ont besoin. Oui. C'est surtout ça. Bon, et en tout cas, bah, jazz et gastronomie, ça fait 9 ans que ça dure. Hein. Ça fait 9 ans maintenant, exactement. Et bah, écoute, ça se passe bien. Ouais. On est rodé. Ouais. Je pense qu'on est rodé. On fait. On fait un petit menu qui est sympa, oui. Avec un petit accord mets et vins, d'accord. et puis la prestation. Voilà, tout génial. Simplement, ça c'est quelque chose qui marche bien. Bon, et ça a lieu une fois par mois, hein, c'est ça? Voilà, c'est une fois par mois. Et puis bah, maintenant, on est en train de mettre en place en plus des apéros de jazz, qu'on appelle d'accord. les apéros de jazz, un petit peu sur le même procédé, mais sans le repas. Mm-hmm. On fait une petite assiette qui soit sympa, pour sympa. Dire de, tout simplement bah, qu'ils aient quelque chose, un petit truc à grignoter, ouais, ouais, ouais. un petit verre, et puis ils écoutent de la bonne musique, tout simplement. En toute convivialité. Exactement. Dites donc, les garçons, va falloir prévoir quelque chose pour les 10 ans. Hein. Je pense, ouais. Puis, bon, tu connais le papa, je pense qu'on ne va pas passer à travers. Il va falloir qu'on le fasse, ça.
Bon, alors c'est super parce qu'on discute et en même temps on travaille, enfin surtout le chef, qui a découpé donc en petits dés le poivron rouge, le poivron jaune, le poivron vert, l'aubergine, la courgette, on a les oignons, l'ail, le thym frais là que je vois là-dessous. Exactement, la petite garniture traditionnelle hein, pour lancer, bon ça j'ai pris pour décorer tout à l'heure. Là, on va lever nos rougets. C'est vrai qu'ils sont très jolis, ces rougets. Ils sont magnifiques. Là, je les ai pris chez... T'es venu avec tes supporters, là, ou quoi? Oui, ah. Bah, copain niçois. Vous venez surveiller la ratatouille. Ah bah oui. Ah bah oui. Dis donc, tu fais de la ratatouille sous les yeux des niçois, t'es courageux, toi. Ah, attends, hein, faut savoir prendre des risques. L'amour du risque. Hop. Regarde-moi ça, si c'est pas bon. Oh là là, ce petit lever de filet, là, en deux temps, trois mouvements. Crac. Impeccable. Hop. On va les parer proprement. Ouais. Oh, ils sont mignons. Regarde les copains, ils ont apporté un petit pansement. Voilà. Fait par Jérémy, si c'est pas beau, ça. C'est mignon. Merci. Hop. Super. On enlève encore un petit. Oui, pour le plaisir. Et puis après, on passera à la cuisson. Allez. Ça marche. Hop. Et alors, t'es venu sans le papa? Moi, je pensais le voir, notre ami Guy. Je suis venu sans le papa parce que, bah écoute, il voulait me laisser me débrouiller tout seul. Comme un grand garçon. D'accord. Mais bon, j'ai quand même amené mes filles. C'est bien. Je peux pas me déplacer sans mes filles, on a toujours tout fait ensemble, donc forcément. Tiens, on est face à des beaux produits là qui sont frais. Évidemment, t'essayes toi dans ton restaurant et t'essayes et tu y arrives. Tu respectes la saisonnalité. Ça, j'y tiens. Bon, ça aussi, c'est par rapport à Eurotoc. Bah oui. Parce que bon, on a quand même une charte où on essaye d'utiliser les produits de terroir, on essaye d'utiliser les produits de saison. Oui. Ça, c'est très important parce que maintenant, pour moi, la cuisine. C'est ça, il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire. J'essaye de ne pas faire importer des produits, j'essaye au maximum, parce que bien sûr, il y a un moment, on ne peut pas bien faire autrement. Bien sûr. Attends. Vas-y, prends ton temps. Attends, deux petites secondes. Fais comme chez toi. Hop. Oui, de limiter l'importation des produits étrangers et puis d'être locavore, hein, c'est de plus en plus la tendance quand on peut. Et puis oui, je pense que c'est quand même pas mal. Et puis de faire travailler les gens qui sont autour de nous, parce que c'est très important. Voilà. C'est capital. Allez, je vais te laisser passer du côté du chaud. On va faire chauffer tout ça. Alors, me demande pas quelle est la commande de quelle plaque. On n'a encore pas réussi à... Écoute, on va se débrouiller. Ouais. on ne sait pas quel bouton commande quelle plaque. Voilà. Ça. Dis donc, pareil, elle a l'air belle cette petite huile d'olive là. Olive bio, parce que ça c'est terrible. Super, voilà, en gros plan. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Hein. Et tu l'utilises cette belle huile d'olive pour la cuisson? Oui. Ah ouais, t'es comme ça. Pourquoi toi. Pas Ah bah voilà, on va pas mégoter. Attends, exactement. Quand on est, faut être généreux. Ah bah oui. Faut être généreux. Ah bah. Là tu vois, j'ai fait réduire un petit jus de tête. Donc, ça sent tout bon. Simplement. Tout simplement ça. Hop là. Et puis on va attaquer notre petite ratatouille. Ouais, on commence par les légumes, c'est ce qu'il y a de plus long. On va les laisser bien croquants. Alors, tu vois, j'avais un dilemme avec mon copain du Sud. Ouais. Parce que lui, il me dit qu'une ratatouille, ça se fait sur des heures et des heures. Moi, je la fais, j'aime bien la laisser bien croquante. Tu vois, qu'elle soit belle, qu'elle garde toute sa couleur. Puis en même temps, avec un petit taillage comme ça, des heures et des heures, il ne reste plus rien. On est bien d'accord. Voilà. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas de tomates. Ben, c'est pas la saison et on travaille locavore, monsieur. Alors, est-ce que tu arrives avec ces feux? Oui. Ça devrait prendre, non? Oui. Bon, je le souhaite. Je vais démarrer assez chaud. Tu vois, je vais faire en même temps la petite garniture et mes poivrons. Oui. Bien sûr, qui sont à peu près pareils. Et pour finir avec l'aubergine et la courgette. D'accord. Ah. Et non, ça chauffe pas beaucoup, hein. Il faut pédaler. Comment dire? Ouais. Il faut pédaler. C'est peut-être. Allez. Ah oui, c'est vrai. Il va peut-être monter, non, quand même, un petit peu de température. Bon, en tout cas, c'est visuel. Regarde, sur l'écran de retour, on a toutes ces belles couleurs. C'est très joli. Ça nous c'est met en couleur, appétit. Ça, il est bientôt midi. Et puis, il faut que s'il y ait toujours un beau visuel. Parce qu'on commence à manger avec les yeux. C'est clair. Ensuite, avec le nez, oui. On sent.
et à la fin, simplement, on met en bouche. Oui. On va essayer là. Oui, voilà, au grand mot, les grands remèdes. On va voir. Voilà. Blague un peu. Ça chauffe pas, chef? Ça y est, elle prend. Ça y est, c'est parti. On espère qu'elle va prendre. Voilà, allez, on est parti avec les petits légumes. Elle va être très, très croquante, sinon. C'est bien, mais on aime ça. Mais sinon, un petit, comment, petit carpaccio, petit tartare. Ouais, pratiquement. Bah oui. Hop. Oignon, ail. Oignon, ail et thym. Alors, si on veut, bien sûr, on peut mettre un petit peu de laurier aussi. Oui. Alors, soit ça marche trop, soit ça marche pas. C'est comme ça. Nous, tu sais, on n'est pas dans la demi-mesure. Voilà. C'est où on est à fond ou pas du tout. Généreux aussi. Voilà, voilà, absolument. Dans les extrêmes, en tout cas. D'un côté comme de l'autre. Tu veux pas y aller, ma grande? Ouais, pas envie. Peut-être que c'est la poêle qui plaît pas à la plaque. Si, je l'ai testé. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va regarder un petit best-of des meilleurs moments du Sierra, le temps de faire un petit point technique. Allez. Hein, et puis on se retrouvera juste après. Donc, comme je vous l'annonçais sur ce Sierra, il s'en passe, mais il s'en passe des événements. Donc, ce que je vous propose, c'est regarder un petit montage des meilleurs moments. Très fiers d'avoir aujourd'hui cette manifestation de très grande qualité pour son 30e anniversaire. La troisième place, c'est pour le Luxembourg. Alors, le trophée d'argent est attribué à la France. Qui sera le grand gagnant de cette International Catering Cup 2013? L'Espagne. Japan! On silver winner!
La France. Belle libération, je suis heureux, j'ai pas l'impression d'être là et je suis là en même temps. Voilà, c'est un moment très très particulier, il y a tous les gens que j'aime qui sont là aussi, donc ça rajoute énormément d'émotions, c'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Mesdames et messieurs, bienvenue ici. Bocuse bronze goes to Yevhen. Bocuse d'argent 2013 est attribué à Denmark. Bocuse d'or est attribué à la France. Il est midi et nous sommes en pleine démonstration de cuisine avec Boris Ditadian, restaurant Les Platanes à Chaponnet. On est en train de vous faire des petits rougets avec une ratatouille magnifique, donc on se retrouve dans un instant. Mais juste avant, eh bien oui, l'actualité n'attend pas, on va retrouver un Sierra News, car vous le savez, la grande nouveauté de cette Web TV cette année, eh bien c'est ça, c'est le Sierra News avec Michel Tanguy et Tiffany Conroy. Grâce à elle, nous allons connaître les chiffres inédits du salon et le tout en anglais. Hello again. Well, 725, that's the big number of new products that are on show here at Sierra. It's no surprise, though, that people want to show their best new products here, and 367 of them are exclusive to Sierra, so you really are getting the first glimpse of some of the best new products on the market. Some results from yesterday just to tell you about. In Hall 2.2, the cuisine on scène, in the Concours National des Fromages, the cheese competition, the winner was Guillaume Cardinet. And in the European Trophy for Artisanal Butchery, we had an English couple of winners. First place was Martin Crombie and Michael Perkins. So well done to those winners. Now remember, if you're just coming into the Sierra Conference Centre and you want to get a good look around at your expo, you can do themed walks. You can let these guides help make your visit much easier. There's 13 of them, and essentially what they do is list
the general exhibits that would be of interest to you for the particular theme. So today we're highlighting supermarket retail, snacking, time saving, or intermediate food products. Just make your life a little bit easier as you wander around the vast show halls that we have here at your expo. You can also get tailored showing around as well from the directly managed collective catering of Restico, and they're at 2.2E100. A little bit of the competition news now about what's happening right now. Well, the Coupe du Monde de la Pâtisserie continues. It's a real spectacle in the Espace de Chef. It's in Hall 6 all day. If you haven't been along, I really recommend you go along and see what's happening there. Very exciting competition. Also, the Festival of Gastronomic Creativity is taking place in Hall 2.2 on the Cuisine on Stage all day. The Café Show Finals will be finishing off this afternoon with the finals of the Barista Championships today. There's been a record number of entries for all four competitions, and of course, tomorrow afternoon, they'll be doing their coffee and good spirits competition. The Coupe du Monde de la Boulangerie continues at the Bakery Trend Stage in Hall 4. That's all day with prize giving at 5. Now, elsewhere, actually out in Lyon itself, tonight sees De la Bouche aux Oreilles, from mouth to ear. There you'll find three chefs, three DJs, and live music. And the way it works is that the chefs will put together their and dress their plates at the same time as the DJs play a variety of music, and the chefs don't know what it's going to be. And this evening that starts at 7:30. It's in Le Sucre at Quai Rombard at the Confluence. It's €69 a person. So if you fancy an exciting evening out with music and good food, that's the place to head for. Well, now it's time to hand over to my colleague, Michel Tanguy, who's going to announce the World Cuisine Summit. Michel. Thank you very much, Tiffany. Le World Cuisine Summer, c'est l'événement qui se déroulera demain sur l'espace Tendance Pain, ici pour ce CIRA 2015. Il s'est déroulé pour la première fois en 2013 à l'extérieur du CIRA, à l'extérieur de Eurexpo. Il revient cette fois-ci pour que vous puissiez, au cœur de ce salon, assister à cet événement mondial. Et pour vous permettre de découvrir ce qui s'est passé pour cette première édition et vous donner envie d'assister à ce World Cuisine Summer demain, World Cuisine Summit demain, nous allons visionner ensemble quelques images. World Cuisine Summit demain à l'intérieur du CIRA sur l'espace Tendance Pain entre 9h et 18h. Venez saisir toute la nouvelle tendance de la gastronomie mondiale. Venez comprendre comment elle fonctionne. Venez comprendre ses évolutions, un secteur en pleine mutation avec Frédéric Loeb qui n'a pas pu être parmi nous mais qui sera forcément là demain. Quelques scoops à vous annoncer avant de vous laisser retrouver la démonstration de cuisine avec Karine Tessandier et notre chef. Sachez que demain, pour ce World Cuisine Summit, pour cet événement mondial, sera présent Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon et Prima de Gaulle, qui nous fait l'honneur d'être avec nous demain sur le CIRA World Cuisine Summit à partir de 15h20 et qui répondra à cette question.
comment nourrir les populations déplacées en Europe. Sera également présent demain Jane D. Hartley, ambassadeur des États-Unis en France. Il interviendra lui aussi avec une interrogation. Les États-Unis deviennent-ils la nouvelle destination culinaire? Il sera accompagné de deux chefs, Thomas Keller et Grant Achaz. Enfin, sachez que pour presque conclure ce World Cuisine Summit 2015, Alain Berger interviendra. C'est le commissaire général du pavillon France Exposition universelle de Milan en 2015. Et il nous fera des révélations autour de la fine cuisine et de la gastronomie à la française sur le pavillon France, donc pour cette exposition universelle de Milan en 2015. World Cuisine Summit, demain sur le salon du Sierra à partir de 9h sur l'espace Tendance Pain. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et l'autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est maintenant sur la Sierra Télé avec Karine Tessandier et le chef du jour. Effectivement, ici en cuisine, écoute, on a fini par résoudre nos petits problèmes de plaque. Donc, on va pouvoir reprendre notre cuisine avec Boris Ditanian, je vous le rappelle, restaurant Les Platanes à Chaponnet. On est en train de faire un truc qui sent divinement bon, une petite ratatouille minute ça avec des rougets poêlés. Et ça c'est bon, tout. Alléluia. Allons-y. Allez. Alors, donc, on est des arêtes, ces petits rougets. Exactement, on ne laisse pas une seule arête, parce que alors, ça, je ne supporte pas. Ça, j'aime bien que ça soit tout nickel. C'est pas beau, ça. Ouais, c'est magnifique. Ça, je suis allé les chercher à Lyon, oui. Chez Jean-Luc Vianney, qui est meilleur ouvrier de France. Absolument. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Oui, voilà. Alors, on fait légèrement caraméliser nos petits poivrons. Parfait. On va rajouter notre aubergine courgette. Mm-hmm. Cette petite grecque de légumes. Oui, exactement. Alors, j'appelle ça comme ça. Oui, je sais. Mais écoute, c'est très bien. N'oublie pas de saler de poivrer. Non. Hop. Parfait. On aime bien ce petit geste. Tout est dans le poignet, voyez-vous. On va remettre un petit peu d'huile d'olive. Soyons généreux. Oui. Allons-y. Oh là hop. Là, quel supplice, ça sent bon. Et si notre poêle veut bien y aller? Ouais, elle va y aller cette fois-ci. Hein. Parce que sinon, je vais vraiment me fâcher. Hop. C'est pas mal. Ouais, pour poêler un rouget, il faut que ce soit bien. Il faut normalement que ça soit quand même un peu... Oui, mais on a le temps, tu sais, Boris. Fort. Ouais. On peut papoter, hein. Si c'est pas assez fort, prends ton temps. Ça me paraît pas mal, écoute. Sinon, on aurait pu les faire au four, dans ce cas. Tu veux qu'on essaye? Non. Ah, on va essayer. Bah d'accord. Attends. Regarde. Parce que si ça part, aussi. Ça part. Hein. On va essayer avec cela. Ou alors on échange les feux, peut-être. Non. Non. D'accord. Non. Non. On va essayer. Qui ne tente rien à rien. C'est la première fois qu'on va les faire au four, comme ça. Et ben voilà. Au moins. Tu vois, je suis contente parce que c'est une recette que tu as depuis tes études. Ouais. Donc, on va la faire évoluer. Tiens. Ici, en direct. Je fais attention à la ratatouille. Hein. Bah, je compte sur toi quand même. Bah un oui, petit peu. Écoute, hein, il faut bien quand même que j'apporte ma petite contribution. Tu sais faire? Normalement, oui. Alors, tu vois, moi, ma ratatouille, je mets un tout petit peu de concentré de tomate à la fin pour la lier. Je la laisse moi bien aussi cuire. Un petit peu d'ordinaire. Ah. Mais là, je me suis dit que je voulais quand même que ça garde une belle couleur. Oui, c'est vrai que ça modifie vraiment... un peu. Oui. Et puis, ça fait, comme tu dis, ça lie. Oui. Alors que là, je veux vraiment les garder, essayer de les garder le plus croquant possible. Parfait. Et surtout qu'on ait vraiment un bon goût. Le vrai goût de nos légumes. Mm. Toujours ce qu'on disait, tu sais, dans le principe de Rotoc, on reconnaisse le produit. On n'est pas obligé de le masquer par trop de choses non plus. Très bien. C'est une association, Rotoc, qui regroupe combien de chefs actuellement? Sur France, on est presque 350 ou 400, ouais, quand je crois, même, chefs. Dis donc. Oui. Mais là, on a eu les nouveaux présidents maintenant, ouais. Qui sont Michel Roth et Guillaume Gomez, qui viennent de passer président tous les deux. Ouais. Moi, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer hein, cette année. Non, ça devrait être pas mal. Ça devrait avec être pas ces deux-là, je pense qu'on est tranquille. On leur met un petit coup d'assaisonnement. Ok. Hop. Ça,
Voilà, on va y couper. J'espère que c'est celui-là. Alors, tu vois, et puis, on va essayer. Ouais. on va essayer le four. On se lance. Et voilà. Hop. C'est parti. Ceux-là, ils sont partis. Pendant qu'on y est, on va essayer aussi. Tu en as gardé deux quand même dans l'espoir de les poêler. On va essayer. Allez. Celle-là, elle prend. Elle prend pas. Elle prend pas trop. Non, ça clignote. Tu as une collection de poils. Elle se remet pareil. Celle-là non plus. On va compter sur nos rougets au four. Ouais, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Elles prennent plus. Non. Elles ont pas envie, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on trouve toujours une solution. Hop. On va remettre un petit coup de chaud. Oui. Parce que le rouget, ça va vite, hein, quand même. Ça va très vite. Ça va quand même pas mal vite. À condition d'avoir du feu. Oui, pareil. Effectivement. Effectivement. C'est pas négligeable. Tu vois, très très vite. Même. Très très vite. On a réussi. Oh là là, cette couleur. C'est toujours. On va toujours pas y aller. Ah si, non. Non, ça clignote. Allez, on peut commencer à dresser nos petits légumes. Allez. Toujours dans la simplicité. Mm-hmm. Sur une jolie assiette noire, hein, pour le coup, pour mettre en valeur les couleurs. On va essayer de faire ressortir ça au maximum. Hop. On en a au moins 5. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Bon. On va être patient. Prochaine soirée de jazz alors. Quand est-ce prévu pour? La prochaine, c'est le 31 janvier. Mais bon, d'accord. Vu qu'on a le programme à l'année. Oui. Les gens, si tu veux, maintenant réservent presque à 50% d'une soirée sur l'autre. D'accord. Donc celle-là est complète. Ah ouais. Oui. La pub radio, parce qu'on est en partenariat avec Jazz Radio. Pub radio est partie. Eh oui. C'est déjà tout plein. Et la prochaine, oui. Eh ben, pour le rendez-vous des amoureux, le 14 février. Oh, c'est bien ça. Ça, ce qui est pénible, c'est que c'est que des tables de deux ce soir-là au resto. Hein? Non, on en a quand même pas mal. Oui. Mais avec les soirées jazz, on a quand même des gens qui viennent à 4-6 personnes. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc bon. Des couples d'amis. On arrive quoi. À s'arranger. Oui. C'est pas un souci. On va être bien là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense que du bien, si tu veux mon avis. Il est pas mal. Tu vois, c'est tout ce que j'aime. Le bon produit, simplement, avec une bonne huile d'olive. On va essayer de le customiser un petit peu avec notre petite sauce. Ouais. Comment tu l'as réalisée exactement, cette sauce? C'est un fumet hein, traditionnel. Ouais. Je fais ma garniture aromatique, je fais saisir mes têtes. On peut le faire aussi avec des carcasses de crevettes. Oui. C'est délicieux, avec des langoustines, avec toutes nos carcasses. On fait cuire avec garniture aromatique traditionnelle. Je mets du safran. Ah. Je passe ma sauce, bien sûr. Ouais. Je la refais réduire et ensuite, je la crème, tout simplement. D'accord. C'est là aussi hein, une simplicité enfantine. Hop. C'est magnifique. Alors, ce qui tombe mal finalement, c'est qu'on n'a qu'une seule assiette et que j'ai une grande faim. Parce que sinon, j'aurais pu inviter Tiffany et Michel à venir déguster. Vous auriez pu. Oui, on aurait pu, mais en fait,
Vous allez juste regarder. Non. On veut bien. Mais je plaisante. Vraiment, je vous trouve ingrate, Karine. Vous oubliez ces petits choux que je vous ai proposés? C'est vrai. Hein? Regardez, c'est pas joli, ça? C'est magnifique. Ouais, c'est absolument super. Puis ça sent bon. Est-ce que je prends quelque chose pour le manger? Ça sent la mer. Ça. Oui. Comme j'ai dit, d'une simplicité enfantine. Regarde, c'est pas joli? En grand écran, c'est magnifique. Merci beaucoup, Boris, d'être venu nous aujourd'hui. Tu vas te balader un petit peu sur le Syrah? Je vais faire un petit tour quand même. Bon. On va aller voir les copains. Oui, bah oui. Je vous souhaite un bon appétit. Merci, Karine. C'est vous qui allez m'en garder un petit bout, parce que moi, j'ai encore un petit peu de travail. Il faut que je vous parle d'une manifestation qui est absolument captivante. Ici, ça s'appelle Sixième Sens. Avec cette manifestation, vous avez l'occasion de voir tout le travail des étudiants qui ont imaginé les tendances de Frédéric Loble sous forme de restaurants éphémères. Et regardez, c'est vraiment passionnant. This is as well the confidence that we have received from Olivier Ginon and Mario Dufondeur throughout several editions. We have about 300 students mobilized for lots of projects here for the Sixième Sens. This is particularly in part of development, creation and execution of an excellent service. Alors, nous travaillons avec les étudiants très en amont du projet, sous l'influence du carnet de tendance de Frédéric Loble, qui nous suggère quelques tendances. Mais ils ont travaillé donc et nous leur demandons d'imaginer en fait une traduction en fait des tendances de Frédéric Loble. Et puis à l'issue de leur présentation, moi j'en fais une réadaptation qui puisse s'inscrire dans le contexte du Syrah sur un projet éphémère de 5 jours. They did the concept creation and they took over developing the client experience and all of the back office tools that are required to opening a restaurant. And then we've invited as well the Art Culinaire to be part of that team. Students need to understand what it really does take to open up a business. This is a unique opportunity for them as well to feel, live the opening of a concept that's actually being tested on the market, and their decision making is really going to have an actual impact on the everyday. Alors, mon rôle, c'est un rôle qui intervient en amont, puisque je suis en contact avec l'équipe de Syrah Production dans la conception de l'enveloppe globale de l'espace, qui était cette année de mettre en avant les arts de la table dans une sorte d'écrin. C'est pour ça que vous êtes dans une ambiance extrêmement feutrée, noire, avec un code plutôt haute couture. L'idée, c'était ça, c'était de communiquer sur un code haute couture grâce aux rayures noires et blanches sur l'extérieur de la boîte. Moi, mon aspect, c'est surtout donner une cohésion esthétique avec la totalité des partenaires pour que chacun puisse être mis en avant et mis en valeur. Et puis, effectivement, qu'on ait une bonne cohérence pour l'ensemble de la surface. Alors les étudiants, donc l'attrait de la jeunesse, c'est qu'ils ont toujours de très très grandes idées. Et donc les projets qu'ils nous ont présentés étaient réellement un petit peu fous. Et on a donné la priorité au projet le plus fou de ces étudiants. Nous tenons absolument à ce que notre image de marque soit respectée. Et donc ces jeunes étudiants ont réalisé quelque chose que nous approuvons totalement. La créativité et l'innovation de nos produits est tout à fait reproduite dans ce type de décor. Toutes ces choses-là, mises les unes en action avec les autres, nous permettent de transmettre un message que nous souhaitons plein de jeunesse, de vigueur et d'enthousiasme. Eh bien écoutez, l'enchaînement est tout trouvé. On va s'intéresser maintenant directement à la décoration des restaurants. Est-ce que la déco minimaliste en restaurant est toujours tendance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ça,
La décoration minimaliste en restaurant est-elle toujours tendance? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question avec nos invités et avec vous, Franck Piner-Rabarouste. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. C'était moins une hein, pour arriver jusqu'à nous. Oui, oui, mais j'ai couru. Il y a un petit peu de monde sur le Syrah quand ah, même. Ah oui, hein. Bah oui. Le lundi, c'est une grosse journée. Alors, dites-moi, cette décoration minimaliste est-elle toujours d'actualité et tendance pour les restaurants? Alors, je pense que, mais nos invités vont me dire oui ou non, mais j'ai le sentiment que justement, c'est de plus en plus tendance et qu'on est vers une vraie tendance justement vers le minimalisme. Et ce qui va être intéressant peut-être de voir un petit peu, c'est d'abord si c'est confirmé par nos deux intervenants, et de voir si ça a un lien aussi avec la cuisine, qui parfois est aussi minimaliste, et de voir finalement quels sont les liens entre la décoration que les chefs veulent, mm-hmm. que de plus en plus ils réfléchissent aussi à ça, et de voir si ça a un lien ou pas avec leur cuisine, et s'il y a cette cohérence, cette harmonie de l'assiette jusqu'au luminaire. On va voir ça avec Elsa, qui va se présenter immédiatement, et puis après, bien évidemment, Sylvie Amar également. Je pense que vous pouvez vous présenter peut-être en 30 secondes, juste pour... En 30 secondes, Elsa Somano, créatrice d'objets lumineux, donc installée à Lyon depuis 2007. Je crée et fabrique du luminaire donc sur mesure et personnalisé pour les particuliers, pour le professionnel, restaurant, hôtelier et puis bien d'autres, tout en aluminium. Et donc j'adapte mon luminaire en fonction des besoins de mes clients en réalisant des pièces uniques. Très bien. Sylvie Amar, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, même si tout le monde vous connaît en même temps. Sylvie Amar, moi j'ai une agence de design global depuis 18 ans. On est spécialisé dans le CHR. On a une grosse spécialité en art de la table et on accompagne les restaurateurs, hôteliers, métiers de bouche et aussi agroalimentaires, de la création du nom logotype jusqu'à la scénarisation des produits quels qu'elles soient. Donc restaurant et sinon juste table. Bon, et donc Sylvie, est-ce que vous justement vous ressentez, vous qui faites design global, la demande des chefs sur une forme de minimalisme, une forme d'épure peut-être de la décoration, mais à la limite on peut aussi aborder comme vous faites aussi des menus, des cartes de visite, ben, ça va très loin. Est-ce que vous sentez qu'on va vers la simplicité extrême de la décoration? On a une grosse tendance en fait qui va aller vers la pureté qui est je dirais sur vraiment une 10, 15, voire 20% de personnes qui vont vouloir avoir cette pureté. Elle va être liée aussi bien au produit dans l'assiette que sur la table, que sur la décoration. On va mettre en exergue en fait une chose, deux maximum. On n'est plus sur l'euphorie d'avoir beaucoup de choses. On va mettre une carafe à eau colorée ou un gobelet, mais on ne va pas aller plus que là. Ça va être la panière à pain. Ça va être en fait mise en scène à l'extrême, mais c'est bien pour moi, je trouve que c'est de plus en plus travaillé, on est sur des discours, on est sur l'histoire, on est sur du sens, et c'est intéressant quand un restaurateur nous dit je veux travailler si je prends l'exemple d'un poisson, un mets en question et qu'il veut le travailler presque à la japonaise comme un produit pur dans son traitement de lui-même, et il va nous parler de sélection, de fournisseurs dans ses cartes. Cette asperge vient de tel producteur, ce poisson vient de tel pêcheur. On va retrouver ça jusqu'à sur la table et jusqu'à effectivement la déco du restaurant. Et je pense que par rapport au luminaire, c'est exactement la même chose. On va mettre Elsa est plus à même d'en parler, mais on a un focus véritablement. On a un lustre qui va prendre la décoration dans le lieu. Enfin, c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve et qui n'est pas mondial. Parce qu'au niveau de la profusion de matière, on va l'avoir beaucoup plus et toujours, je dirais, au Moyen-Orient et en Asie. Donc ça persiste. Mais il y en a quand même qui essayent en fait, d'avoir cette pureté qui est compliquée à faire passer, je dirais, en Asie. Notion de pureté, est-ce qu'on peut parler de pureté dans l'éclairage? Est-ce que là, les lumières pures ou impures? Oui, pures, bien sûr. Ça amène la pureté. Et puis... oui, effectivement, je pense que de plus en plus... En fait, je pense qu'il y a deux tendances. Alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais soit, effectivement, on va dans un concept très épuré, parce qu'on veut mettre en avant... Enfin, là, c'est plus dans la cuisine d'un chef. On veut mettre en avant ce qui est dans l'assiette et ce que réalise le chef en cuisine, parce qu'on vient pour manger un mets d'un chef. Et donc là, on part sur une décoration un peu plus minimaliste. Là, le luminaire, effectivement, il va devoir s'intégrer totalement dans la décoration. On va, je ne vais pas dire qu'il va passer inaperçu, mais il faut presque qu'il passe inaperçu. Il est là pour éclairer, mais sans trop éclairer non plus, sans éblouir.
Il est là pour sublimer ce qui se passe dans l'ambiance et dans l'assiette. Et puis, il y a une autre petite tendance aussi qui est, voilà, c'est des concepts, on construit, on a un concept, et là, on est dans une décoration assez forte. Donc, voilà, c'est... Mais il y a une volonté de lumière qu'on appelle lumière naturelle, par exemple. Est-ce qu'on cherche aussi ce côté reproduction de la lumière du jour, ce côté naturel, vrai ? Oui, de plus en plus sur l'offre luminaire, enfin l'offre ampoule, on a des choses voilà, qui se rapprochent de la lumière du jour, sur des lumières blanches ou des lumières jaunes. Et c'est vrai qu'en travaillant en collaboration avec les architectes, architectes d'intérieur et décorateurs, scénographes, ils nous demandent des tons de lumière voilà, pour adapter, même des variés, qui varient selon l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, pour qu'on joue sur la variation de lumière et de plus en plus pour, voilà, pour différencier sur les ambiances. On le voit aussi sur les températures de couleur, donc de lumière effectivement dont vous parliez. Et la décoration va s'adapter en fait au fur et à mesure des événements. On avait parlé des changements de set de couleur à une précédente table ronde où on va changer le set pour le midi ou le faire indifférent le soir. C'est aussi par des petites astuces de changer une déco et de recréer une ambiance particulière. Et ça, c'est la personnalisation que le restaurateur va trouver de plus en plus, et c'est très intéressant. Oui. Est-ce que, par exemple, on va rester sur l'éclairage quelques instants, est-ce que l'éclairage évolue ? Est-ce que, par exemple, on demande à n'éclairer que le plat ? Est-ce qu'on éclaire encore le restaurant dans sa globalité ? Est-ce que, par rapport à ça, il y a aussi des tendances, une volonté finalement de se concentrer, on va y venir après, l'assiette, et l'éclairage doit contribuer finalement à ne servir qu'un seul message, qui est le message de l'assiette, hein. Oui, après, je pense qu'on est... Enfin, il y a tout un ensemble. Après, effectivement, on peut mettre le focus sur... Enfin, éclairer une assiette ou la table ou un espace. Effectivement, je pense que maintenant, on éclaire moins un ensemble global, soit en mettant un éclairage général, et on essaye de pointiller, mettre des petits points lumineux de partout pour créer une ambiance. Et effectivement, il peut y avoir dans un même espace une table, une grande table donc, qui est éclairée par un immense lustre, et puis plusieurs petites tables éclairées par différentes petites suspensions ou des spots. Voilà, ça est, et chaque pièce, effectivement, l'ambiance est calculée, chaque point lumineux est travaillé individuellement pour créer un espace entier. Sylvie me glisse à l'oreille une tendance salle à manger. C'est quoi une tendance salle à manger ? Tendance salle à manger, on le retrouve, ça par contre c'est une tendance qui est vraiment mondiale, de recréer en fait l'ambiance d'une salle à manger, quelle qu'elle soit. Ça peut être celle de grand-mère, ça peut être celle de son frère, ça peut être celle d'un ami, cabinet de curiosité. Mais vraiment l'ambiance salle à manger, être vraiment avec des petites astuces pour être chez soi. Donc on a comme si on était dans la salle à manger du chef. Comme à la maison. Et ça, alors c'est comme à la maison, mais du coup voilà, on est invité, on est en proximité, on peut jouer. C'est pas forcément une grande salle, ça peut être plusieurs petites pièces qui sont très agréables, parce que du coup on passe d'un salon à l'autre, un petit peu comme au 1728, qui lui historiquement évidemment ces salons sont organisés comme ça, parce que c'est un hôtel particulier qui date d'une certaine époque. Donc du coup on est plutôt à Versailles, mais ce genre de phénomène est reproduit aujourd'hui. On est passé voir la déco d'un restaurant Marguerite qui vient de s'installer à Lyon, donc il y a un an et demi. Je ne suis pas de la région, plutôt sur Paris, mais c'est vrai que voilà, on fonctionne en petit salon, et là on est bien dans une décoration de salle à manger, beaucoup plus que dans un appartement en fait. Mais dans ces cas-là, peut-être qu'on s'éloigne justement de la décoration minimaliste. Si on voit par exemple sur Paris le développement des tables d'hôtes, c'est-à-dire on le voit chez David Toutain, on le voit dans pas mal chez Bruno Verjus aussi, où on voit ces petites salles à manger privé qui se crée. Là, en revanche, on met des livres. Finalement, c'est un peu comme chez soi, et ce comme chez soi vit. Et donc, je trouve que là, peut-être justement le développement des salles à manger un peu parapublic, on va dire ça comme ça. Là, en revanche, on est plutôt pas sur du minimalisme, mais sur une personnalisation à l'extrême. C'est pour ça que pour moi, le minimalisme, c'est à peu près voilà, 15-20% en fait, de la restauration qui peut aussi se permettre, parce que le discours est cohérent et que du coup, on a du sens à raconter une histoire minimaliste. On est plutôt sur une cuisine d'auteur, donc le minimaliste va vers cette cuisine d'auteur. Après, la salle à manger va plus sur une cuisine qui va s'adapter à une histoire qu'on veut raconter, mais qui ne va pas être forcément sur l'authenticité, entre guillemets, de l'auteur, entre guillemets, du chef. Je pense que c'est gros, ces deux mouvements en fait, se perçoivent véritablement. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très, 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 très fort en France, en tout cas. J'ai une question maintenant sur le lien entre la décoration et l'assiette. On est
peut-être un petit peu l'assiette et l'ensemble et la cuisine sur justement les conflits, ce que j'appelle un peu les conflits artistiques, c'est-à-dire que finalement le chef aujourd'hui est de plus en plus artiste, il se revendique artiste et pas uniquement artisan. Est-ce qu'il n'a pas envie justement que ce minimalisme serve sa cuisine? Autrement dit, qu'il n'y a pas de conflit artistique entre une lumière trop puissante, une musique qui est trop envahissante ou des assiettes qui aient trop de personnalité et qui nuisent à la lecture directe et simple de sa cuisine. Je ne sais pas si là-dessus vous avez un avis. Ce conflit en fait entre tout ce que peut apporter le restaurant, tout l'univers du restaurant et le message unique du cuisinier. Il me semble que ça, c'est une discussion que doit avoir la personne vers lequel le chef va, donc un architecte d'intérieur, un scénographe, un designer. C'est à un moment donné, c'est une discussion de savoir ce qu'il veut et le professionnel va répondre à son besoin et voilà, il est là pour l'accompagner. Et s'il veut que son assiette soit mise en valeur, le professionnel va l'accompagner avec différents, donc sûrement sur des choix de luminaires, sur des choix de décoratifs pour mettre en avant l'assiette. Mais dans ce que le chef, par exemple, vous demande, vous sentez qu'avec le temps, cette demande évolue justement vers plus de simplicité, vers plus de discrétion? Ben après, ça dépend totalement effectivement voilà, des chefs, des gens, enfin des clients, ce qu'ils veulent exactement, l'ambiance qu'ils veulent mettre dans leur... très honnêtement, il n'y a pas plus de demandes. Il y a un moment donné, je vais réutiliser le mot concept, il y a un concept qui soit minimaliste ou autre. Et en fait, c'est du début, c'est du moment où, c'est même pas quand on rentre, c'est en façade, quand on arrive, jusqu'à ce qu'on ressorte du restaurant. Donc il y a tout un parcours qui suit et c'est un concept donc, qui soit minimaliste ou pas. Sylvie Amar, est-ce que pour vous, il y a un conflit artistique? Est-ce que le chef a finalement quelque part un petit peu peur de voir arriver d'autres artistes en salle? Non, je pense que ceux qui ont peur de ce conflit, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur cuisine. Je pense que c'est déjà une bonne corrélation. Un restaurant, c'est déjà un cuisinier et un maître d'hôtel. S'il y a conflit déjà à ce niveau-là, ça va mal se passer. Donc je pense que c'est une mauvaise histoire qu'on raconte et dans ce cas-là, c'est pas logique. Je pense que le conflit qu'il peut y avoir, c'est quand il y a des chaînes qui sont plutôt grosses ou des designers qui sont un peu avec un nombril et un ego important, qui vont se marier avec un décorateur important. Donc c'est plus des conflits de personnalité en fait, qu'on va retrouver effectivement d'artistes, mais je dirais que c'est de bonne guerre. Les marques qui veulent instaurer ce type de décorateur ou ce type de designer ou ce type d'art de la table sont pertinemment au courant que ça peut provoquer ce genre de choses et c'est un petit peu volontaire, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Un tout-un, un Frenchie, etc., ils vont être en accord complètement avec leur salle, leur sommelier, enfin, cet accord-là on les sent et c'est pour ça qu'il y a une harmonie. Si on tire trop sur un des fils de tout ce que compose un restaurant, on va être en désaccord, donc il n'y a aucun intérêt. Après, il y a le côté marketing de la chose qui est intéressant si on veut vraiment faire du buzz. Des fois, on y va un peu franco, effectivement, et ça peut faire des conflits, mais c'est uniquement à but publicitaire. Donc, en gros, ce qui compte dans tous les cas, c'est la cohérence. Ce qu'il faut, c'est que tout soit cohérent. Et si finalement, il y a un maître mot dans toute cette histoire, c'est que de la décoration, le service et l'assiette, c'est l'harmonie, c'est la cohérence qui fait la réussite d'un restaurant. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a dit plein de choses. Afin de faire un tout et de passer un bon moment, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, l'innovation, vous le savez, est grandement à l'honneur sur le CIRA et sur la Web TV aussi, puisqu'hier, à cet endroit, eh bien, se tenait la remise des grands prix de l'innovation. Et on retrouve Michel Tanguy à ce propos. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qui ont reçu ce grand prix CIRA Innovation 2015, avec les trois produits qui sont devant moi, on va commencer par celui-là, hop, que je vous montre. On va commencer par ça, tenez. Ça, c'est le cru, et ça, c'est le cuit, ça a collé d'ailleurs. Mais l'idée, en fait, c'est cette tranche. Je vous la montre là, vous la voyez mieux. C'est en fait un produit qui s'appelle Sauce Lisse, créé par la société Soreal,
C'est une innovation pour les acteurs du snacking et de la restauration rapide, puisque pour l'opérateur, c'est un geste en moins, c'est peut-être même deux gestes en moins, puisque cette tranche que vous venez de voir permet de réunir à la fois la sauce, mais aussi les condiments. Vous pouvez, à loisir, commander à Soréal des petits morceaux de cornichons, de tomates, etc. C'est donc des légumes qui sont déshydratés, recomposés, et qu'il suffira ensuite de venir déposer sur la viande chaude, elle-même déposée sur le pain. Et ensuite, lorsque le pain vient recouvrir cette tranche de sauce lisse, elle prend la température, fond, et du coup termine votre burger. C'est un ingrédient que vous pouvez découvrir Hall 2-1 sur le stand F45, le stand de Soréal. Une autre innovation pour ce Syrah 2015, Grand Prix Innovation remis hier sur le plateau de la Syrah Télé, ce sont les cuirs de légumes de la société PCB Création. Vous pouvez voir sur cette cloche des feuilles et les traces de doigts malheureusement. Ici aussi les petites feuilles. Donc imaginez que ces feuilles collées sur cette cloche en verre peuvent aussi l'être sur des assiettes. Vous allez pouvoir venir coller ces feuilles au moment de la présentation, au moment du dressage, avant de l'emporter en salle, pour ajouter une note décorative, mais aussi gustative à l'assiette. Puisque le visuel s'ajoute au goût, il y a carottes, il y a également le poireau, il y a également le panais. Donc toutes ces feuilles ont vraiment le goût de l'élément, il y a le poireau. Vous allez donc pouvoir ajouter, en fonction de ce que vous allez dresser, ces cuirs de légumes. Ici, vous avez en fait des extraits de feuilles, puisque ces feuilles vous sont livrées en format 39 cm sur 23, de grands rectangles que vous allez pouvoir découper à loisir. Ici, on a la tomate en arabesque, vous voyez les petits points. J'espère que vous voyez bien à l'image, mais cette feuille-là est striée et celle-ci qui est un peu plus transparente avec des petits points. Vous allez vous-même pouvoir commander, on va dire, le graphisme et la forme qui va être appliquée à cette feuille et à ce cuir de légumes en fonction de l'événement que vous allez créer, également de l'établissement que vous tenez. Vous allez pouvoir imaginer d'inscrire votre logo sur ce cuir de légumes. Alors, c'est une véritable création, puisque PCB Création était très connu pour ses créations sucrées, mais n'opérait pas encore sur le domaine du salé. C'est chose faite et je pense que beaucoup de chefs vont être heureux de découvrir ces produits. Ces produits, donc, vous les recevez, je vous le disais, en feuilles de format 39 par 23 cm. Je vous rappelle les parfums: tomates, carottes, poireaux, panais. Vous pouvez les découper à loisir, au ciseau, à l'emporte-pièce. Et deux choses à savoir: si vous les posez sur un aliment chaud, elles vont prendre la forme de l'aliment, se mettre à température, et vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, les passer au four à une température qui ne doit pas dépasser les 70 degrés. Troisième objet, il est à ma droite. J'avoue, si je peux me permettre d'avoir un parti pris, c'est un petit peu mon coup de cœur et mon chouchou. C'est un objet qui s'appelle Fusio. Objet français, créé en Alsace. Les dimensions 50 sur 48. Et lorsqu'il est plié, je le plierai tout à l'heure, 80. Donc 8 cm de haut. Un encombrement, tiens, on va commencer par ça. Je vais le ramasser pour vous montrer qu'à la fois c'est simple et que l'encombrement est faible. Voilà, toc. Vous pouvez donc le disposer sur un plan de travail, le nettoyer. C'est relativement simple d'encombrement. Et lorsque vous voulez le réouvrir, ce n'est pas très compliqué. On appuie légèrement ici, on soulève, on place donc la source de chaleur qui est ici. Donc une grande vitre infrarouge, quasiment 4000 watts de puissance pour cuire les aliments. Donc voilà la source de chaleur ici. Et ensuite la grille. Cette grille a l'avantage de rester froide. C'est-à-dire que lorsque les aliments cuisent, même face à la source de chaleur, vous pouvez quand même saisir les bords pour la tourner sans risquer de vous brûler. C'est très simple, on peut la mettre près de la grille ou loin de la grille selon l'aliment que l'on va choisir de cuire. Vous pouvez en fait tout cuire sur ce Fusio de Eberhard Frères, c'est-à-dire aussi bien de la viande que des légumes, que des pièces à griller comme l'épaule d'agneau, le gigot, etc., les cuisses de poulet, le poisson, que sais-je encore, vraiment tous les ingrédients
la saucisse aussi, les saucisses. Vous pouvez tout cuire ici. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de dégagement de graisse puisque la source de chaleur est verticale. Et c'est là toute l'innovation de ce produit. Auparavant, dans un barbecue traditionnel, les braises se trouvaient à l'horizontale, sur le socle. La source de chaleur montait, l'aliment posé à l'horizontale cuisait. Inévitablement, dans les dégagements de jus, tout le jus qui tombait sur la source de chaleur dégageait du biropinzène. C'est une source cancérigène. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette technique de cuisson, l'aliment cuit de manière verticale, le gras tombe dans la lèche frite qui va se tirer par l'arrière pour pouvoir être évacué. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Donc vous pouvez le vider et ensuite le nettoyer parfaitement. Et une fois que vous l'avez nettoyé, le remettre en place dans l'appareil. Tout a été vraiment bien conçu pour cet objet. La prise est rangée ici. Cet objet s'adresse donc aux chefs, aux traiteurs qui peuvent maintenant le mettre sur un buffet dans leur restaurant pour faire de la grillade devant le client, l'utiliser bien entendu en cuisine et aussi le déplacer sur des événements extérieurs. Si vous voulez apercevoir et voir ce produit, avoir de plus amples explications, rendez-vous sur le stand Eberhard Frères, stand B110, hall numéro 5. Voilà pour ces Sierra Innovations. On se retrouvera demain pour d'autres projets, pour d'autres produits qui ont reçu le Grand Prix Sierra Innovation 2015. Karine Tessandier, c'est à vous. Alors tout de suite, on va retrouver le troisième membre de l'équipe, Tiffany Conroy, qui a rejoint la Web TV cette année. Et on s'en réjouit, car grâce à elle, nous allons pouvoir traiter des dernières tendances internationales en matière de gastronomie. Tiffany, c'est à vous. Thank you, Karine. Well, with 46,000 square meters of show space, it is no surprise with 3,000 exhibitors here. It's no wonder that Sierra is a magnet for international buyers to come to Lyon and find something special for their business. Now, Business France is the organization that helps put those buyers in touch with the right people. And we wonder how some of them are getting on. Well, they're sitting around the table with me now. Why come here? That's the question we want to ask. Well, in a moment, we're going to ask them. But let me introduce, first of all, Christophe Monnier, who is from Ubi France, which has now been rebranded as Business France. And Christophe, you are the head of the food products department, aren't you? Just tell me a little bit about how you've brought the people that we have sitting around the table here today together. Hello, Tiffany. Thank you very much for your invitation. So Business France, Ubi France, is the French agency supporting international business development of French companies. So during the Sierra Lyon, for the second time, we are bringing international buyers to the exhibition to meet possible French suppliers of food products. And this year, we'll bring almost 28 different buyers from the three continents, from Asia, from Europe, from Africa, and they will have more than 120 business meetings during the 4 days of the exhibition. And you're keen to bring people from outside of Europe here, because obviously Sierra is well known in France itself and in wider Europe, but not necessarily further afield. Business France has trade offices in each French embassy in the world. That's why our colleagues from the different countries know the needs of their companies from France. And they promoted the fair and promoted the possibility to come to France and to meet with these new suppliers. So it was also a big work to promote the Sierra and to say it's important to come to Lyon because it's a big event and it's every 2 years, and that's a good opportunity for them to develop their business. Excellent. Well, Christophe, thank you very much. If you'd like to pass the microphone just to your right there, we're going to introduce one of the buyers now, and it's Monica Skavol, who's from Norwegian company A la carte Producteur. Is that correct? A la carte Producteur. Yes. Welcome, Monica. Welcome to Lyon. Now, have you been here before? Yes, we have been here several times. You just hold it a little bit closer to your mouth. That's it. Our company is an importer of fine food products. And then France is very important for us because we were working here 5
10 years ago we were having a company here, so it was Francis Aerospatial. Yeah. What products are you particularly targeting? Are you looking for something very specific? Well, most of all is that in our strategy we want to be as close as possible to the product, and then we are used to having very close contact with our suppliers. And I'm mostly coming to visit them, like I'm visiting Valerona, Capri, Valerona with chocolates, Capri with fruit purees. I'm going to go and see Euralis, Rugier with the duck products, Francep with mushrooms and oysters. We have really many products. And then I love cheeses also, so I'm, yes. But mostly is that to have a close contact with the suppliers, because that's very important for us. Absolutely. And so Sierra really is a rich fishing ground for you when it comes to buying all these and looking for the products that you want. It is, and for Norway it's very special because the Bocuse d'Or competitions are very much liked in Norway. There have been many times people have been winning this from Norway. This competition, so a lot of Norwegians come to Sierra and they love it. Yeah. So if they know a product that they're getting is actually from Sierra, everybody can associate with yes. it. Yes, Sierra is known like a fine food saloon where you can easily come in contact with that type of products. Yeah. Absolutely. Well, I'll come back to you again in a minute just to see how you've been getting on. Let's introduce two more buyers. Just to my left here, I've got Ross Baker now. Ross, you're from South African company Wild Peacock. Just tell me a little bit about the sorts of work that you do here. Well, I'm here to source new products and see existing suppliers. It's not my first time here. I come every second year to Sierra. It makes sense that I can visit everyone in one place and not have to travel too far. And and look for new products all the time. It's important for us to innovate and be different. So we're at the other end of the world, so it's new products are important to us. And France is one country we choose to deal with. And it's staying one step ahead of the competition back home by coming to Lyon, which is an interesting way of doing it. But this is your second visit, you say. So obviously, last time was a successful visit. Yes, yeah. We started importing from France 4 years ago, and Valerona, vanilla, caviar, foie gras. So it's we don't 70% of our products are local, South African, and 30% are French. So it's Lyon is probably the best place to do it. Now, you mentioned some very typical things, caviar, foie gras. Is that very much what you're targeting, the producers of this high quality, high end market products? Yes, our clientele are mainly chefs, restaurants, hotels, caterers, and gourmet gastronomy, the top end of the market. So, and we supply anything from oysters to other seafoods, sustainable seafoods, poultry, pastry, cheeses, French cheeses, charcuterie. You name it, anything you can put in your mouth, yeah. And the Sierra label for you obviously has great value because, as I say, you're back again, a bit like Monica. Do you think that Sierra really has that kudos, even in South Africa, which is a long way away? Yes, it does. I mean, it's a big show. It's an important show. The products that we purchase, they're all represented here. And there's always room for more, and it's a great meeting place, and UB France do an amazing job in getting the people together as well, and getting French companies to the distributors and importers like us. They do, yeah, fantastic well, job. Well, it's really lovely to see you here. I'm going to ask you how you're getting on in a moment, just a second, but let's move on to my final guest, Jarawin Satapankiri, who's the Director of Importer Food Gallery in Thailand. Oh my goodness, Jarawan, you have come a very long way. Yes. It is your first visit, is that right? Yes, it's first visit for Lyon and Sirha. And what? Just tell me a little bit about the sorts of food products that you're looking for when you're going around. Actually, I'm looking for any opportunity of the product that premium for our high-end customer, and which is we quite believe in France, that always
provide these kind of things that I can get. And I don't have any specific product that I plan to looking for, but I just come and I'm sure that I have a look and explore something new, innovative and premium product. And every time when I come to France, I get the product. Now, Syrah is a huge melting pot of these types of products. How are you finding it? It's a mesmerizing number of producers. Actually, I get a great support, you know, from UB France that give me the list of the supplier and they screen the supplier, and you know, we have appointment in advance for the meeting and shortcut. I can, you know, utilize, you know, my time. Absolutely. Well, I mean, it's great you've come from so far. Now, of course, Asian tastes are very much influencing a lot of Western European eating these days. But how strong is the desire for the European flavors in Thailand? I think that because Thailand is a tourist country and lots of foreigners, you know, come to our country, and even our Thai people, they also like change the trend of food, that they're traveling a lot, and when they come back to Thailand, they also miss the food, you know, that's a European food. And Food Gallery, who you import with, who you work with, who import these products, I mean, what quantities are we talking about? For fresh product, we bring in on weekly basis by air. Some from Rangchis market, some from direct from the supplier. And for example, like Foga, that we are the distributor. So most of the product, when we sourcing and we get the contract, we start working as the exclusive distributor. So we do marketing, we do brand promotion, and we also sell the product. So exclusivity is what you're looking for? Yes. As much as anything else. And, yes. And you mentioned high-end products. So it's actually some of the more valuable products that maybe Ross was talking about, the foie gras, the caviar, the langoustine, lobster. It's the same. I also do. We are the big distributor for Castang. The Foga. Yeah. Absolutely. One of the good brands. Absolutely. Well, just a quick question then. How are you getting on? Have you found some products that are interesting? Are you starting to do some deals? Yes, starting doing some deal with supplier. And not finished the meeting with one of the big suppliers. Oh, we've interrupted a little. Well, we're very grateful that they're holding off for you. Ross, how are you getting on with your sort of business meetings? So you've been here before. You're re-establishing contacts, are you? Yeah, it's about 50% of the time seeing new existing suppliers, and the other half is looking for new guys, and building pastry ranges has been a focus, as well as looking for new seafood innovations and raw product, yeah. Okay, new seafood innovations. Well, things like? Different things that you can't get in South Africa, and there's a lot of things, for example, Madagascan prawns. Madagascar's right next door to South Africa, but nothing goes to South Africa. They all go to Europe or the rest of the world. Well, so, we obviously like our Madagascan prawns here in Europe. Yeah. Absolutely. Is it easy to find these places? As obviously, Christophe here from Business France has been very, very useful in facilitating the sort of contacts that you need. Yeah, definitely. It's a big help. We get people contacting us as well through other connections. I think it's a very small community, even though it's extremely large at the same time. So everybody knows each other. It might be someone knowing in the chocolate industry, knowing someone in the seafood industry, and they communicate. Yeah. Well, I was going to say, Christophe wants to add a few words there. What are we going to say, because, Christophe? Because indeed, Syrah is an excellent fine food market. But we have so much different things from so much different French regions. We have to help international buyers to find what they need, innovative things, new things. Of course, they have the possibility to visit the fair by themselves. But inside all this supply, they have to find suppliers able to export, knowing the regulations, having all the documents, and Business France is also helping French enterprises to get all the information about international markets, regulations, the consumption inside the market, the possibilities to open new markets, etc.
and that's why we are here too, with our partners like COFAS, BPI France, giving financing support for French exporters, etc. Absolutely, because it's all very well finding the products that you would like, but guaranteeing the delivery on a consistent basis, that's what your customers want, isn't it, essentially? Maybe, Monica, I could ask you. Norway, as you know, is not in the European community, but now all the regulations are being introduced little by little, and that's why one of the things I'm going to be talking with the suppliers is about the marking of products, the labeling. Mm. It's very important that they have certain information. That's why we're here also. But also because we are leaders in fine food, and so we have to come and see what is in the market and find new things always. Mm. Well, and oysters. We're looking for oysters. You're looking this for year oysters. Well. Okay. Good well, the oysters. Oyster producers over there, if you're look out for Monica, she's been getting hunting you down. Just very quickly, you talked about cheese. Have you managed to taste some nice cheeses? Yes, I have. And on the business side, have you done any deals yet? Are you kind of finding the products you want and starting to put together some business deals? Well, we are looking around, and surely something will come you up. Have quotas in Norway for the cheese. Yeah, so yeah, there's quotas for very many products in Norway. But we've had very good meetings, and we're looking forward to continue today. Absolutely. And also, yes, we're going to see the Bocuse competitions. Yeah. oh, brilliant! Absolutely. Well, I hope you enjoy your time here at CIRA. It's so lovely to welcome people from across the world to CIRA. So thank you very much indeed to my guests, to Monica Skavl, who's from Norway, to Christophe Monnier, who is from Business France, rebranded Ubi France. People would still know it as Ubi France. Business France now. Also to Ross Baker, who is from Wild Peacock in South Africa. Thank you. And also to Jarawin Satapunkiri. Thank you so much for coming, and enjoy the rest of your visit here at CIRA. Well, that's it from me. Merci beaucoup, Tiffany. Bah, écoutez, c'est déjà la fin de cette édition. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je n'ai pas vu le temps passer. Alors demain, on remet ça fidèle au poste avec le lancement des Bocuse d'Or. C'est reparti pour le plus grand concours de cuisine au monde. On aura des démonstrations de cuisine également sur ce plateau, puisque le sous-chef de la Tour Eiffel, Denis Imbrosi, sera avec nous ici pour nous faire sa recette fétiche. À mon avis, il sera question de pâtes ou d'autres délices italiens. Et puis, eh bien, demain, vous pourrez nous voir et revoir sur le www.ciratv.com. Vous en avez désormais l'habitude. Alors je vous dis à demain, même endroit, même heure.